Bonjour, chers amis de TV Liberté. Nous avons la joie de recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà, Jean Hautepierre. Bonjour. Bonjour Jean. Et merci pour votre invitation. Vous êtes venu nous parler de cette pièce extraordinaire que vous avez écrite, Louis XIII ou La conspiration de Saint-Mars. C'est une tragédie, elle est publiée chez Pardès et j'avais été frappée par, l'aisance de votre style. Vous êtes un écrivain absolument étonnant parce qu'écrire de la prose, écrire de la prose c'est déjà difficile, mais alors des vers, vous nous rappelez que très modestement que le premier vers est toujours donné par les dieux, disait Paul Valéry. Et vous le constatez ? C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Paul Valéry et moi-même, encore que je sois un peu moins certain que lui, considéraient que c'était le travail de l'inconscient. En tout cas, il y a bien quelque chose. Mais ensuite, eh bien, il faut, je ne dirais pas travailler, parce que c'est un mot qui est utilitaire et la création poétique n'est pas un travail, mais il faut composer après. Il faut creuser, il faut chercher, bien sûr, ça ne vient pas. Mais est-ce que cela donne de la peine ? J'ai l'impression qu'en vous lisant, que vous avez une joie étonnante à créer de la musique. Ah oui, la création poétique est une grande joie. On a beaucoup parlé du poète maudit au XIXe siècle. Alors, ça a un sens quand il s'agit de la vie du poète. Oui. Et la grande enquête de Verlaine sur les poètes maudits montre des vies plus ou moins difficiles. Très variablement difficile, mais la création poétique en elle-même, à mon avis, ne fait pas partie de la malédiction, en tout cas. En tout cas, quand on vous lit, on ne sent pas du tout que vous êtes un écrivain maudit, comme on dit. Enfin bon, vous avez un autre métier, très sérieux, pas du tout en rapport avec la poésie. Vous avez un petit côté Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Si vous voulez. Alors, vous aimez le fantastique, vous avez écrit une biographie d'Edgar Poe, chez Pardès, et donc des tragédies, Néron, Tristan et Iseult, ce Louis XIII et Saint-Marc dont nous venons de parler, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que, vous le savez, chers amis de TV Liberté, j'ai tendance toujours à rapprocher mes lectures historiques du temps présent. Et je tire toujours de ces lectures historiques un enseignement pour le temps présent. Je ne sais pas comment j'ai fait la cervelle, mais c'est comme ça. Je réagis toujours pour comprendre mieux notre temps. Et on voit que ce Louis XIII est entièrement tourné vers le bien commun. Oui. Et que toute personne se mettant en travers du bien commun doit être éliminée. Oui. Et ça, un enseignement très intéressant. Le temps présent, on le trouve, et là je serai plus anecdotique, là il ne s'agit pas du vaste sujet du bien commun, mais d'une anecdote qui a eu quand même son importance, celle de la fermeture des théâtres. Eh bien, assez bizarrement, ça n'est absolument pas voulu, on trouve cette fermeture des théâtres dans ma nouvelle pièce, Jean Sobieski. Ah oui, en Pologne Oui, ça se passe à Vienne, la ville le siège vient de commencer, le théâtre impérial est fermé. Pendant la pièce, c'est une pièce dans la pièce, je ne veux pas trop en dévoiler. Vous deviez donner une lecture d'une pièce au théâtre de Jean-Luc Génère, du Nord-Ouest, que devient-il ? Il s'agissait d'un récital de mes poèmes, enfin d'un récital d'un choix de poèmes extrait du Testament de la Licorne. Qui vient de sortir, là, aux éditions Unicité. Oui, et ce récital devait avoir lieu le 16 mars, donc 2 jours après la fermeture des théâtres. Quant à celle-ci, j'ai été présent le 14 mars à la première du Roi Lear, avec Jean-Luc Génère dans le rôle-titre, évidemment. Et c'est pendant la pièce que nous avons appris la fermeture des théâtres, exactement comme au premier acte de mon Jean Sobieski.
Et que j'avais composé avant, ça m'a frappé. Et le théâtre du Nord-Ouest n'est pas trop dans une situation catastrophique, parce qu'il était déjà très inquiet avant, alors s'il n'y a plus d'argent qui rentre. Oui, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant. En tout cas, il y a eu des travaux. On espère que le théâtre réouvrira dans de bonnes conditions. Ah, il y a eu des travaux. Sera possible. Oui, il y a eu des travaux importants, beaucoup de remises en ordre, beaucoup de réfections, et le théâtre du Nord-Ouest est prêt à exercer son activité de nouveau dès qu'il le pourra. J'ai envie de lire juste l'un de vos poèmes, J'ouvre au hasard. Mais on peut toujours, chez les grands poètes. Ça s'appelle le chant du spleen. C'est le chant du spleen des vieux soirs, quand la bûche a fini dans l'âtre de brûler, qu'il est temps de battre le pavé des vastes trottoirs, des autobus, des piétons déambulent, la longue foule aux yeux vagues et vains, scrutant d'autres regards lointains, quand a sonné le temps du crépuscule. C'est le chant du spleen des vieux soirs, des souvenirs qui hantent l'âme en berne. Il est trop tard pour oublier. Et des rictus pâles sous la lanterne, des cris sans fin qui vont se pétrifier à jamais. Car l'ennui revient et revient sans cesse, comme un vol d'oiseaux sombre et lancinant. Car l'ennui revient et revient sans cesse. C'est le chant du spleen, c'est le triste chant. C'est assez exact comme description. Alors, votre personnage, Jean Sobieski, ou La bataille de Vienne, publié chez Pardès, lui, ce n'est pas un personnage qui m'a l'air envahi par le spleen. Non, encore que. Il a eu une existence, un règne plutôt difficile. Il a été en butte en permanence à des factions qui s'opposaient à lui. Son pouvoir était sans cesse contesté. La Pologne, à l'époque, vivait dans ce qu'on a appelé un régime d'anarchie nobiliaire. Et il fallait quelqu'un d'une envergure exceptionnelle comme Jean Sobieski pour arriver à surnager au milieu d'une telle situation et puis à faire quelque chose de très important, alors qu'il avait tous les obstacles, y compris celui de la reine, de son épouse dont il était très amoureux, et qui elle-même, je ne dirais pas complotait ou conspirait, mais attisait des intrigues de cour qui n'allaient en général pas dans le sens de ce que voulait de l'action de Jean Sobieski. Oui, il passait beaucoup ça, il a passé une grande partie de sa vie au milieu des armées pour échapper à toutes ces. Enfin, pour éviter ce climat empoisonné. Oui, vous dites que le temps de la monarchie héréditaire a été arrêté et a été remplacé par une monarchie élective, et que ça a été le début de beaucoup de problèmes. Oui. Alors, c'est un noble, ce Jean Sobieski, c'est un noble qui est élu. Donc, c'est un homme qui, en quelque sorte, monte sur le pavois. Oui, vraiment, presque au sens classique du terme, puisqu'il était le plus grand chef militaire de Pologne. Il n'est pas arrivé sur le trône par hasard. Il a eu quand même, pour préciser, sans m'apesantir là-dessus, il a eu avant lui un roi qui n'a régné que quelques années, qui n'était clairement pas à la hauteur et qui avait été élu parce qu'on voulait... On ne voulait pas désigner Jean Sobieski. Et puis quand même, finalement, l'évidence s'est imposée. Et lui seul était à même de faire face à toutes les difficultés qui l'évidence se posaient. Et l'urgence. Oui, bien sûr. Parce que se passe-t-il, nous sommes en 1683, c'est-à-dire il y a 337 ans, que se passe-t-il à Vienne? La ville de Vienne est assiégée par les Turcs. Voilà. Pour la seconde fois, la précédente étant en 1529, mais la situation était tout aussi critique, peut-être encore plus critique d'ailleurs, puisque la ville aurait pu tomber. Elle n'est pas tombée en 1529, elle aurait pu tomber en 1683. Et là, c'est la grande inquiétude à Vienne, dans le monde occidental. Et évidemment, on pense à ce qui se passe aujourd'hui en Europe,
avec de nouveau la Turque aux portes de la Grèce, les Turcs à Chypre et aux portes de la Grèce. Ah oui, on en parle beaucoup moins maintenant, mais ça peut ressurgir du jour au lendemain. Et quand mon livre est paru, c'était en pleine crise gréco-turque, hein, au moment vraiment du sommet de la crise gréco-turque que nous avons connue ces derniers temps. Et là non plus, ça n'était pas prémédité. J'ai terminé mon livre fin août. Il est paru, les premiers exemplaires sont parus début novembre. Donc, je ne savais pas quand je l'ai composé qu'on vivrait cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas des constantes dans l'histoire humaine ? Bah oui, bien sûr. Si vous pensez, en me posant cette question, aux relations empoisonnées entre la Grèce et la Turquie, elles sont constantes, mais ça fait quand même longtemps qu'on en avait parlé à ce point. Hein, oui. Et que le problème, c'est qu'il n'y a pas que la Grèce qui soit concernée, puisque les Turcs sont partout en Europe. Ils sont en Allemagne en grand nombre. Oui. Ils sont en France, ils sont en Angleterre. Oui, le problème est sans doute encore davantage là, parce que... Avec leur calife. Les actions de la Turquie d'Erdogan en dehors de ses frontières n'ont une consistance que par l'absence d'opposition. Dès qu'il y a une opposition, Erdogan lâche du lest. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs au moment de la crise gréco-turque. Ça a été la position française a été une des rarissimes bonnes décisions d'Emmanuel Macron. Et tout de suite, la Turquie a lâché du lest. En revanche, le poids que font peser les minorités turques dans certains pays, en particulier en Allemagne, est très problématique. Vous écrivez, Jean Hautepierre, « L'histoire est tragique parce qu'elle est la vie même et que la vie est tragique. » Mais oui. Vous ne trouvez pas ? Si, si. Mais... c'est parce que nous avons un certain âge et que nous avons beaucoup lu. Et vécu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup vécu. Et que la chair est triste, comme dit notre ami... Gide, je crois. Ah, Mallarmé. Mallarmé, la chair est triste, oui, voilà. Et on est très frappé quand on vous lit, encore une fois, de cette actualité, alors que vous vous exprimez en vers. Alors, campons le décor. Ces citations que j'ai extraites d'un très bel article que vous avez eu de Robert Spiller dans Rivarol. Et voilà, vous plantez le décor. Au seuil de cette nuit profonde où va se décider le sort du monde, c'est tout un univers précipité sur nous. C'est l'Afrique et l'Asie dans leur sombre courroux, jetés sur Vienne, ultime et haute citadelle, face à la barbarie des hordes infidèles. Vous dépeignez l'armée d'en face que d'ailleurs les peintres montrent toujours. Oui. Les peintres montrent les lumières, le reflet du soleil sur les armures. Mmh. Oui. Oui, bien sûr, pour un peintre, c'est tentant, c'est un exercice de style. Mais quand on lit vos vers, on voit une peinture, c'est ça qui est étonnant. Des hommes, des chevaux, des canons et des toiles, des feux étincelants, aussi nombreux que les étoiles. C'est un vaste croissant, c'est une ville entière, surgit comme surgit le malheur de la terre. Donc cette armée est extrêmement nombreuse, plus nombreuse que celle des Polonais. Oui, elle comptait, on l'a estimé à 300 000 personnes. Je dis personnes intentionnellement, parce que dans les 300 000, il y avait quand même un bon nombre de non-combattants, des personnels, également des femmes, des serviteurs, tout ce que vous voulez. Mais les forces combattantes turques étaient estimées à 180 000, 200 000 hommes, hein, ce qui est quand même déjà gigantesque, alors que l'armée de secours comptait environ 100 000 hommes. La garnison de Vienne comptait dans les 10 à 15 000 hommes. Donc, la garnison de Vienne était très inférieure en nombre aux assiégeants. Mais Jean Sobieski a su insuffler beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Oui, le plan de campagne de l'armée de secours a forcément étonné, a surpris les Turcs,
puisque l'armée de secours, donc, qui était essentiellement polonaise, mais qui comprenait également des Saxons et des Bavarois, est passée par les monts qui sont au nord de Vienne, et en particulier par le Kahlenberg, qui a donné son nom à la bataille. On dit la bataille de Vienne ou la bataille du Kahlenberg. Et les Turcs ne s'attendaient pas à cette manœuvre, hein, qui aurait pu mal se passer d'ailleurs, hein, puisque elle a été décidée sur le fondement de cartes qui étaient imprécises comme elles pouvaient l'être à l'époque, et l'importance des obstacles naturels était sous-estimée par Jean Sobieski, qui était le commandant en chef. Finalement, ça s'est très bien passé, mais ça n'allait quand même pas tout à fait de soi. Hein. Alors, vous mettez en scène, c'est très amusant aussi, les réunions du Parlement, j'ai envie de dire. Oui, oui, ou la diète, comme la on dit diète, en Pologne. La diète, et... la diète, bien sûr. Vous montrez cette tirade étonnante qui fait penser à celle de Ruy Blas, « Bon appétit, messieurs ». J'y ai immédiatement pensé. Est-ce que vous voulez peut-être nous la lire ? Avec plaisir, oui. Comte Mortine Oyer. Parce qu'en fait, il a découvert un complot, c'est page 65. Merci. Il a découvert un complot qui veut freiner l'action de Sobieski, parce que ce qui est amusant, c'est qu'il demande à la diète qu'est-ce qu'ils veulent, et les gens veulent tous dire la paix, la paix. Oui. Ils ne veulent pas aller au combat, exactement comme le Parlement en 39. Mais ils ont reçu beaucoup de parlementaires, recevaient des pots de vin de la part d'émissaires étrangers, ce qu'on voit dans ma pièce. Hein. Voilà. Et c'est réel. Hein. Les faits qui sont indiqués dans ma pièce, en ce qui concerne les débats parlementaires à la diète polonaise de l'époque, sont véridiques. Vous faites des sacrées études avant de faire ces pièces. Oh oui et non, hein, quelques ouvrages historiques. J'essaye de ne pas me perdre dans la documentation. Oui. Avec 4 ou 5 bons ouvrages historiques, on y voit un peu clair quand même. Hein. Oui. Alors, lisez-nous, s'il vous plaît, cette tirade étonnante. Avec plaisir. Comte Mortine. Je vous en lis peut-être une page, je ne vais peut-être pas la lire toute entière. Non, mais à partir de ça, vous êtes... c'est très bien. Donc... Comte Mortine, Oyez, vous en êtes le plus illustre et le premier. J'en veux pour seul témoin ceci, que la police a trouvé ce matin chez l'un de vos complices. Le complot s'y dévoile en ses sombres secrets et en des mots plus noirs que le grand soir qui monte. Pour comble d'impudence et pour comble de honte, on y lit pour chacun le prix de ses forfaits. L'exil ou la prison seront votre salaire. Vous méritez, Mortine, un destin plus sévère, mais vous n'êtes au fond que l'agent le plus haut d'un crime aux mille bras, d'une hydre aux mille flots. Car tout autour de nous se pressent en cohorte, comme se disputant la patrie déjà morte, tous ceux qui, comme vous, aliénant notre état, semblent ne rien vouloir qu'en hâter le trépas. Oui, vous, qui m'écoutez dans l'ombre et le silence, figé par la terreur dans une feinte absence. Je connais tout de vous, vous qui siégez ici, qui vous cachez enfin tout au fond de la nuit. Et je connais encore les noms d'autres coupables sur qui pourraient monter tant de jours redoutables. Ne craignez rien. Vos noms, je ne les dirai pas, par souci de concorde avant le grand combat. Mais vous, qui m'écoutez, sachez ce que vous êtes. Et vous pouvez bénir cette ombre sur vos têtes pour tout ensevelir sous un voile profond du rouge de la honte au milieu de vos fronts. Je sais ceux d'entre vous, aveuglés mais sincères, qui croient servir l'État en éloignant la guerre. Loin d'y voir un forfait, je n'y vois qu'une erreur, mais funeste, et chargée des plus tristes malheurs. Cependant, presque tous vous traînez comme une ombre les sinistres lambeaux de votre honneur qui sombre, et je crois voir, tombant du ciel en grand courroux, vos ancêtres honteux se détourner de vous. Nonces et sénateurs, diète de la Pologne, vous qui vous pavanez tout le jour sans vergogne, vous croyant à chacun son seul et propre roi, offrant votre veto, trafiquant de vos voix, vous qui depuis des ans avez vendu vos sièges et qui tendez encore une main sacrilège pour combler vos désirs qui n'ont jamais de fin à des vœux étrangers livrant notre destin. C'est, là encore, tout rapprochement avec des événements contemporains.
des nationaux payés par des mains étrangères, c'est constant aussi, ça. Oui, c'est constant, vaste problème. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que votre pièce n'est pas uniquement un récit politique, un récit de guerre flamboyant, mais vous introduisez des personnages. J'ai nommé Fortunio et Stella, et un troisième, je crois, Fantasio. Et Fantasio. Pourquoi et comment ? Pourquoi ? On pense à Musset ? Oui, c'est un hommage à Musset, d'ailleurs. Et le début de la pièce est une scène de Commedia dell'arte. Hein. Oui. Et puis après, évidemment, tout bascule. L'idée essentielle a été d'ajouter à ce qui est déjà une intrigue tragique. Hein. La Pologne et l'armée de secours saxonne et bavaroise vont-elles venir en aide à la ville de Vienne? Il y a une décision tragique déjà, mais j'ai voulu ajouter cette intrigue qui vient en contrepoint pour donner une dimension tragique complémentaire, pour montrer comment vivent trois personnages qui ne prennent pas part aux décisions, qui sont de simples mortels, comment ils vivent cette situation. Et l'issue tragique de ce que vivent ces trois personnages ajoute quelque chose de plus tragique encore à la pièce, qui autrement aurait pu peut-être apparaître uniquement comme aurait pu apparaître le mode, dans le mode héroïque. Oui, là, voilà, une pièce héroïque avec quelques considérations politiques, éventuellement même une glorification de la guerre, ce que je n'ai pas voulu faire, alors que là, le destin de Fantasio, Fortunio et Stella montre que c'est une victoire, mais une victoire au milieu des ruines, au milieu des cadavres, cher, oui. Qui coûte très cher et qui est vécue très difficilement par les protagonistes. Alors, évidemment, on sent votre admiration pour Corneille dans ce dialogue. Bon, pour Musset, bien sûr, mais aussi pour Corneille. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on en donne un petit extrait à nos pages 74, oui. aux auditeurs. Alors, je vais être Stella, et vous serez Fortunio. Avec plaisir. Ils s'aiment. Nul. Alors, quel est le moment dans la pièce ? Que s'est-il passé avant et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Fortunio revient. Revient à Vienne avec l'armée de Jean Sobieski. Oui. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Fortunio est avec Stella dans Vienne assiégée et la situation est désespérée, ce qui est historique. Hein. L'armée de secours est vraiment arrivée à la dernière extrémité. Ça n'était pas voulu, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Et la situation est tellement désespérée que Stella demande à Fortunio de la tuer pour ne pas tomber, pour lui éviter de tomber aux mains des Turcs. Mmh. Voilà. Nul ne peut plus que voir où nous conduit le sort. Il n'a gardé pour nous que malheur et que mort. Notre ruine, hélas, apparaît trop certaine. J'en connais tous les froids, j'en sais toute la peine. Partout, dans les remparts et dans la longue nuit, règne l'ombre sans fin du tourment qui nous suit. Et dans le soir qui va, tonne le grand désastre. Ainsi le veut la force implacable des astres. On dit que la Pologne a dépêché vers nous une armée de secours qui marche à travers tout, qu'elle aurait pour alliés la Saxe et la Bavière et s'apprête à jeter la foudre sur la terre. On le dit, mais depuis si longtemps qu'il semble que les jours soient devenus des ans, que dans la longue nuit où tout vient se confondre, il ne paraît plus rien que nos murs qui s'effondrent. On dit aussi qu'au loin, ceux qui les ont quittés dans le sein du tombeau furent précipités, que Fantasio n'est plus et que la nuit profonde s'est emparée de lui comme de notre monde. Je scrute l'horizon sans fin et je ne vois régner autour de nous que le dernier effroi. Je ne veux plus souffrir, non, je ne veux plus vivre, et je n'aspire plus désormais qu'à le suivre. Oui, sachant trop demain le sort qui m'est promis, je saurai l'éviter, et j'en connais le prix.
La mort, dont nous appelle au-delà des flots sombres d'une envoûtante voix l'immense cœur des ombres. Comme vous, sous les feux lancinants du ciel noir, du ciel livide, où l'âme lasse vient s'asseoir. J'en ai souvent rêvé lorsque le jour frissonne, car nous sommes les fils de l'éternel automne, nés sous un astre noir au son morne du glas, dans la froide saison que le deuil environne, et le malheur toujours à marcher sur nos pas. Mais attendez, Stella, qu'un autre jour se lève et qu'un astre nouveau paraisse à travers tout, et qu'un torrent vainqueur de lances et de glaives jette pour nous sauver l'éclat de son courroux. Et puis, Stella, faut-il que je te le redise? La pensée de ta mort me tourmente et me brise. Laisse-moi, laisse-nous un jour encore, sous le ciel qui nous berce et le grand soleil d'or. Ne hâte pas le cours de ce jour qui s'achève, car vous ressemblez tant au plus beau de mes rêves que je ne puis plus rien imaginer sans vous, ni l'ombre de la nuit, ni le jour qui se lève, ni la chère cité qui se meurt avec nous. Fortunio, le trépas qu'il faut que je désire est un terrible vœu auquel mon être aspire. Il me fait renoncer à la chaleur du jour. Il me fait tout quitter, de la joie, de l'amour, avec pour seul espoir et pour ultime songe de trouver Fantasio dans la mort qui le ronge, partageant avec lui désespérément seul l'air glacé du tombeau sous les plis du linceul. Croyez-vous qu'il n'est pas de plus charmant présage pour l'ardente Stella que cette sombre image? Que, faite pour aimer et pour aimer sans fin, elle aime aussi marcher à ce cruel destin? Croyez-vous qu'il n'est rien que cette ultime offrande qu'elle ait rêvé de voir et que son cœur attende? Fortunio, je t'en prie, ne m'en détourne pas. Je ne puis qu'espérer la force de ton bras, car si je suis trop faible et trop rongée de peine pour plonger en mon sein la lame souveraine, sache bien qu'aujourd'hui, hélas, j'attends la mort comme le plus précieux et le plus cher trésor. Elle tend un poignard à Fortunio qui doit se résoudre à la tuer. Alors ce trio d'ailleurs est intéressant puisque Stella aime Fortunio et c'est Fantasio qui l'aime, elle. Oui. Et au début de la pièce, ce sont Arlequin, Colombie, oui, et Pierrot. Et Pierrot. Alors ça, c'est vraiment très joli comme idée de faire ce clair-obscur. Avec d'un côté la comédie italienne, une histoire d'amour, et de l'autre côté le fracas des armes que l'on entend. L'idée tragique était de montrer aussi la fin de l'insouciance. Oui. Oui. Encore une dernière citation, parce que, bon, alors ça c'est la description de la bataille que j'aime beaucoup. Surgissant avec l'aigle blanc dans la tourmente de la nuit, sauveur du monde environné du noir chaos de la géhenne, et les Turcs tombent, foudroyés, jetés sur le sombre rivage, sous les galops des assaillants emportant tout sur leur passage. En moins d'un jour de leur armée, il n'est plus rien, il n'est plus rien, que des fuyards et des mourantes agonisant de loin en loin. Et Jean Sobieski s'adresse aux Polonais. « Soldats européens, proclamant la victoire, j'apparais avec vous au sommet de la gloire. La civilisation, c'est nous. Jusqu'au lointain, la guerre continue et n'aura pas de fin. Et les fils de nos fils, dans des siècles encore, en verront s'élever les sanglantes aurores. En avant, tous au galop vers le midi, où le soleil se dresse au-delà de la nuit. » J'aime assez la civilisation, c'est nous. Là, c'est une phrase qui tombe sous le coup de la loi. Donc, on va voir. Mais les Polonais ne se posent pas de questions à l'époque. Hein, Non, aujourd'hui non plus, d'ailleurs. Et aujourd'hui non plus, vous avez raison. J'ai appris, d'ailleurs, dans mes lectures, que Napoléon est rentré dans le Concert des Nations après, en 1818. À la condition qu'il rentre en guerre en Méditerranée
contre les Mahométans qui faisaient régner une loi d'airain dans la Méditerranée, en transformant en esclaves, en portant en esclaves tous les Européens. Et Napoléon a accepté, ce qui est normal, puisque lui, en tant que Corse, toutes les tours génoises témoignent de la terreur de l'arrivée des troupes barbaresques, des navires barbaresques. Toute la côte méditerranéenne est parsemée de signes de cette terreur. Oui, il y a eu l'expédition d'Égypte qui visait essentiellement à couper la route des Indes. Hein, d'ailleurs, même si le canal de Suez n'existait pas, on va tout de même, c'était un coup porté aux communications britanniques. Oui, c'est encore une des constantes de l'histoire. Des constantes de l'histoire. Nous vous remercions, Jean Hautepierre, pour cette très belle épopée qui se lit. Je suis toujours étonnée qu'on puisse lire de la tragédie comme ça aussi facilement. Je crois aussi que vous bénéficiez d'une aspiration à la très belle écriture et au vers, parce que la prose aujourd'hui est quand même en très mauvais état, il faut bien le dire. Un sujet, un verbe, un complément. À quelques exceptions près, la prose que l'on lit et dans les journaux et même dans les livres est d'une médiocrité assez lourde. C'est quand même... le temps de la grande écriture est passé. Oui, c'est sans doute lié au fait que la langue française se porte plutôt mal. Et quand on quitte la prose pour le vers, on échappe à cette difficulté, parce que le mauvais état de la prose française aujourd'hui contamine un peu tout le monde, moi le premier. Il faut y échapper quand on écrit en prose, ça ne va pas de soi. Alors que quand on passe au vers, on franchit une limite, on est dans un domaine différent. Il y a les grands modèles, et de toute façon, la langue poétique n'est pas uniquement au vers, mais bon, en tout cas, le langage lié au vers évolue beaucoup moins vite que le langage prosaïque. Il y a des règles immuables. Oui, alors immuables ou très très lentement muables. C'est une discussion qui n'est pas très tangible parce qu'elle concerne assez peu de gens. Mais il y a entre certains poètes, dans le petit monde des poètes qui se conforment plus ou moins, et c'est justement la question aux règles classiques. Il y a une sorte de sous-débat entre ceux qui considèrent que les règles classiques telles qu'elles ont été fixées au XVIIe siècle sont immuables, un point c'est tout, et les autres qui admettent certains aménagements, mais pas n'importe comment, certains aménagements liés à l'évolution de la langue. On a cela notamment... Et puis il y a ceux qui sont pour le vers libre. Ah oui, bien sûr, c'est une autre question. Mais entre ceux qui s'inspirent des règles classiques, il y a ce débat. Oui. On a quelques considérations sur ce point, ça n'est pas nouveau. Maurice Gramont, qui a publié son petit traité de la versification française, qui est très connu quand on s'intéresse pour les poètes qui s'inspirent des règles classiques, en parle et propose des aménagements aux règles. Maurras lui-même, qui donne l'aspect d'un monolithe, eh bien, dans l'avant-propos de la musique intérieure, considère par exemple qu'on peut faire rimer les singuliers et les pluriels. Ce qui est une entorse assez nette aux règles classiques telles qu'elles ont été forgées au XVIIe siècle. Maurras, un moderniste. Et lui-même faisait rimer les singuliers et les pluriels. Oui. Donc c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors c'est un micro-débat qui passe assez largement inaperçu, mais qui tout de même existe. Mais moi je crois que c'est une suggestion, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui fait demeurer la poésie dans son éternité, c'est la musique. Ah oui, oui, et la musique, elle a des règles. Oui, mais ce micro-débat... La rime est quelque chose d'essentiel. Et ce micro-débat est
un intérêt certainement pour les auteurs concernés, dont moi-même, mais il n'est pas, je crois, essentiel, parce que de toute façon, les aménagements qui sont proposés, qui sont mis en œuvre, et je suis le premier à mettre en œuvre certains de ces aménagements, ne mettent justement pas en cause, ne vise absolument pas à mettre en cause cette musique du vers, qui elle découle de la nature de la langue. On est toujours dans l'esprit des règles classiques, même si on les modifie très légèrement. Bien sûr. En tout cas, moi, je serai encore professeur de lettres comme je l'ai été. Je sais que je passionnerai mes classes en leur faisant lire tout haut, à chaque cours, à chaque début de cours, un acte de votre pièce, Jean Sobieski, et je suis sûre que je les emporterai dans le fracas des batailles derrière Jean Sobieski. Ah ben, j'en suis très honoré. J'ai un correspondant qui est professeur de lettres et qui a présenté au moins une de mes pièces à ses élèves. Oui. Il faut les faire lire, les enfants. Et je suis persuadée que... Enfin, je l'ai fait moi-même, donc je peux vous certifier que ça marche. J'avais toute une classe derrière moi, passionnée. Et ça marchait avec vous. Voilà, ça ne marchait pas forcément avec tous les enseignants. Non, ce n'est pas moi qui marchais, c'est le poète, c'est Corneille, c'est Racine, et c'est Jean Hautepierre. Merci beaucoup d'être venu pour les téléspectateurs de TV Liberté. Oui, j'avais oublié de dire que Jean Sobieski avait continué sur sa lancée et qu'il avait libéré Buda et plus tard Belgrade. Ça a été après plutôt le prince Eugène. Lui voulait le faire successeur, ça, oui, en a été empêché à la fois par par les craintes qu'avait l'empereur d'Autriche à l'égard d'une influence polonaise dans la région, ce qui est assez normal, mais aussi, et ça l'est beaucoup moins, par les dissensions internes à l'État polonais, et toujours par l'anarchie nobiliaire. Toujours par l'anarchie, source de tous les malheurs. Eh oui. Propos maurassien, je crois. Merci beaucoup, Jean Hautepierre. Jean Sobieski ou la bataille de Vienne, tragédie, publié chez Pardès. À très bientôt, cher Jean. Et grand merci pour votre invitation. Amis de TV Liberté, à très vite.